Touchez pas. Touchez pas. Touchez pas. En passant du livre à l'écran, le célèbre roman d'Albert Simonin, Touchez pas au Grisbi, a conservé toute sa vérité, sa puissance et son pittoresque. Alors dis-moi plutôt combien tu m'en donnes. 35 millions. Tu l'envoies un peu loin le bouchon, toi. 35 briques, il y en a pour 50. Bien sûr, au cours, avec certificat d'origine. Mais je vais être obligé de les faire vendre, d'en faire des petits, de leur trouver des matricules bidons. Je crois tout de même qu'il est temps que je te montre quelque chose. Ah ben, qu'est-ce que vous allez me faire? Tu vas le savoir, ma petite fille, allez, marche. Max, on va t'expliquer de quoi il s'agit. Il nous fallait l'avis d'un homme de poids pour un petit arbitrage entre nous. Tu seras pas longtemps parti, ton homme, va. Je te donne ma parole. Tu sais, Max, à mon âge, on refait plus sa vie, hein. Bon. Écoute-moi bien, Fifi. Maintenant, on va s'occuper de toi sérieusement. Alors, monsieur Ramon. Pensez beaucoup trop sur certains mecs et puis pensez sur d'autres. Non, Max. Tu te mêles, toi. Un grand journaliste a dit de lui, il faudra avoir vu Jean Gabin dans le rôle de Max, comme il faut avoir vu Charlot dans la Rue vers l'Or ou Fernandel dans Angèle. Tiens, gaffe, gaffe. Regarde les valoches que t'as en dessous les yeux, regarde les miennes. Et ça, tu crois que c'est beau, hein? Alors, mon pote, crois-moi, faut raccrocher, voyons. J'exagère, Max. Non, j'exagère pas, non. J'ai du chou, moi. Alors, Max, t'as pas répondu. Tu viens nous applaudir? On lui racontera si ça nous plaît. J'ai été retardée par la billeuse. Il a fallu raccourcir mon bavoir. On voyait pas suffisamment mes seins. Bonsoir, madame Bush. Tu l'as entendu, hein? Alors, si tu veux qu'il reste en bonne santé, faut faire vite. Vous êtes vache de me laisser dans la nature? Comment je vais rentrer, moi? Je vais te caler aux champignons avec une lanterne à escargot, papa.